C'est parti. Et salut à tous, on est parti pour un nouvel épisode de Pokémon Karma. Nous tentons une nouvelle fois l'arène. Il y a eu pas mal d'XP, pas mal de changements. J'espère que ça vous plaira et que vous verrez cette partie. Si vous voyez cette partie, ça veut dire que j'ai potentiellement gagné cette arène. Sinon, vous le verrez pas, de toute façon. Voilà. Il y a eu quelques petits changements, vous verrez cela quand nous switcherons de Pokémon. Notamment pour affronter ce truc de merde appelé l'ombre. Et sinon vous verrez tout en live sur Twitch, exactement. Le spoil. Ah c'est pas dit, j'ai dit peut-être qu'ils ne le verront pas. Mais bon, je pense qu'ils s'en doutent quand même sur YouTube que je vais pas leur remettre 15 fois l'arène jusqu'à ce que ça passe. Sinon c'est un peu chiant. L'ombre, nous avons dit, et l'énergie pour juste la paralyse, tranquillement. Voilà, parfait. On peut switch. On envoie Tourbol. On prie pour le axe en notre faveur. Pour une fois. Voilà, merci le axe. Suffisait de demander. Oh, mais on le one shot avec un petit coup critique. Mais voilà, mais c'est tout ce que le peuple demande en fait. Chargeur, on en a rien à carrer, mais on va quand même le prendre. Bonus. Un boosté. Un Pokémon boosté, regardez. Il apprend du feu. Ah, lui il prend du feu, mais il résiste. Est-ce qu'on enverrait pas l'énergie? Oh! Oh le axe! Eh, il fait mal cet enfoiré! Ok, les dégâts sont corrects. Potion ou pas potion? Ok, pas potion. Oh la chance, exactement, pour une fois que j'ai de la chance. Ah, notre coco par contre, c'est un peu problématique. Finissir. Ah yes, c'est vrai que lui aussi. Ah voilà, le axe qui ne joue plus du coup. C'est fini, c'est mort, c'est fichu. Oh putain. Oh c'est fini. C'est une fin de game les amis. À moins que les tourvols soient capables de 1v9. Ce que je ne crois pas. Ah. Oh. Allez casse-toi. T'es moche en plus là. Floravol. Non mais non, j'ai mis ce clic. Ah. Après il va faire une attaque plante du coup. Hop tac, on re-switch. Boum. Stratégie comme ça, maintenant il est bloqué sous Danseleur. Ok c'est bon, ça passe en fait. Oh le boosté, le retour du boosté. Ah c'est lui le dernier. Oh la musique. La musique qui change. Glace c'est x4. Oui, mais Floravol il le one shot. Je pense qu'il one shot le petit coquillasse. Bon, tiens, tu le mérites ton badge buisson. Tu as bien combattu et tu en auras besoin. Bien besoin. Ah oui, je suis débile. Non, c'est juste que t'as peut-être raison, hein, mais je pense qu'il se fait one shot avant. En fait. Même s'il a une grosse défense et tout. Et voilà pour toi, une autre récompense. Et du coup apparemment comme on a perdu contre le rival là, je sais pas quoi là, on n'est pas obligé de le réaffronter, faut savoir YouTube. Du coup on l'a pas réaffronté parce qu'on est trop nul. Voilà. Et qu'on a perdu. Alors je voulais du coup. À la base on m'a dit ouais XP et tout, en bas il y a une zone pour XP et tout, mais du coup si je croise pas de Pokémon, j'ai refusé pour vous YouTube. J'ai refusé de descendre en bas pour voir les Pokémon qu'il y avait, pour le découvrir avec vous. Du coup il y a un Hippopotas directement. Directement c'est de la merde du coup. Enfin c'est de la merde, non, c'est juste que je le joue pas quoi. Mais du coup s'il y a un Hippopotas, on peut peut-être mettre Coquillasse devant, il y aura peut-être des types roches qui traînent. Ah mais c'est vrai que ce con a pas d'attaque haut. Ça se négocie. C'est bien mais c'est pas bien, exactement, c'est bien mais je ne le joue pas quand même. Tiens hop l'oiseau. Voilà l'oiseau disparaît. 62 d'XP, regardez ça, on est très content. Un Hippopotas du coup encore. Bon, ça a pas l'air d'être une zone folle. Allez hop, on se barre. On avance. Glaceol super efficace. Hein. Certes, mais j'aurais préféré des attaques haut. Parce que là tu vois ce Rhinocorn par exemple. Mamma mia. Ce que tu lui mets dans la bouche. Si c'est stabé. Parce que là c'est pas stabé. En fait le problème c'est que c'est pas stable. Stalactite là. Niveau combien? Il vaut combien le petit Rhinocorn là? 11. Pas mal ça. XP.
Regarde, je fais pas tant mal que ça, quoi. J'ai de la chance qu'il a tapé 4 fois. 108. Pourquoi il y a 2 entrées? Pourquoi c'est buggé à gauche? 1. Ok. Oh, il y a un Tarinor. C'est vrai que je fais dans le fond des grottes. Ah ouais. C'est légèrement vide un peu. Mais... Ah les dégâts sont lourds là. Ah ouais. Armure. Du coup je tape en physique, du coup je suis très content. Alors on va prier pour que... Ah yes, let's go. Oh yes, let's go. Oh les non-dégâts. Mamma mia. Oh les dégâts sont plutôt lourds. Du coup il m'a juste fait barrage et puis il m'a jamais tapé quoi. 128. Quoi? Ah je peux... What? Attends, j'ai cliqué sur Tarinor, ça m'a relancé un... Quoi? Ouah, pff, bon rien, ok. Pas tout compris là. Mais non, on va sur la falaise. Incroyable, on est sur la montagne, regardez. Regardez. Il veut quoi lui? J'ai plus de Pokéball. Smiley moyennement triste. Galvaran, c'est pas de conneries qui est un type électrique. Ok, encore un. Ok, lourd. Sinon. Ok, Rhinocorne, lourd. Par en haut. Oh, c'est un nénuphar. Hein. C'est 3 nénuphars collés, non? Y'a rien d'autre. Alright. Ouais, y'a que dalle en fait. Mais c'est très joli. Ça fait un joli point de vue. Ça continue? Ah, ça continue. Never mind. Oh putain. Non, ça continue pas en fait, j'ai rien dit. Eh bien c'était une jolie zone. Voilà, c'était du tourisme. D'accord, donc c'est une zone à Galvaran quoi en gros. Dans la grotte, oui. Oui, de toute façon c'est une version démo, donc évidemment il manque des trucs. Hein. Et évidemment. Toi, te battre, ouais, exact. Je peux combattre toutes sortes de Pokémon. Eh bien moi aussi. Presque. Osley. Mais les gens ils ont toujours pensé que les c'était L-A-I-T. Mais en fait c'est les L-A-I-D. Il est juste moche en fait le Pokémon. Voilà. Regardez, en plus il a aucune pitié. Hein. Récupère les os dont de sait quel cadavre et il se les met dessus là. Il frappe les gens avec. Vraiment malade mental. Hein. Comme on dit, il a un pet au casque hein, ce Pokémon. Toi, le coureur fou. Une pierre feu. Il respecte même pas sa mère Pokémon, c'est pas que pour les enfants visiblement. Mais en vrai, qui a dit que Pokémon c'était pour les enfants? À part Nintendo maintenant parce qu'ils ont l'air de vouloir rendre le jeu tellement casu que un enfant de 3 ans maintenant sait jouer au jeu. De base, le public visé... Excusez leur incompétence. Exactement. On rappelle que de base, il y a eu des jeux Pokémon Peggy 7. Hein. Toujours mieux que Peggy 3. Hein. Imaginez juste un petit jeu Pokémon en Peggy 12. Ça, le jeu devrait être incroyable. Et nous sommes de nouveau sur la route 3, mais dans une grotte différente. Un statistique qui se balade. Oh, ça c'est intéressant, vous voyez, ce Pokémon est d'une qualité incroyable. J'envisage de le capturer. Rouge bleu et Peggy 12. Ah ouais? Bah c'est parce que le jeu est vieux. Plus les jeux Pokémon sont vieux, plus le Peggy est élevé. Ok, la roulade. Des créatures Pokémon qu'on pourrait potentiellement capturer. Dans un futur. C'est à cause du syndrome de l'avant-ville. Exactement. Ah oui. Allez en bas. Oh il fait noir. Oh Magnéti aussi.
Hey, des Pokémon plutôt somme toute intéressants dans cette zone. Il y a plein d'objets. Oh, ce serait. Oh, est-ce que ça pue pas les Voltorb ça? Oh, tu vois plein de trucs comme ça? C'est à cause du casino. Ah oui, c'est à cause du casino! Exactement. C'est vrai, c'est le casino. Jeu d'argent, tout ça, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont enlevé les casinos d'ailleurs plus tard. Maintenant, y a même plus les machines à sous, y a plus rien. Maintenant, tu te fais chier. Jeu de hasard, jeu d'argent, tout ça, tout ça. Allez, bah plus bas, bah oui. Bah, il fait plus sombre du coup. Incroyable. Et à chaque étage, il y a des Pokémon différents? Si c'est le cas, c'est cool. Ah non, pas tous les étages. Ce serait logique en soi. Plus tu descends profondément, plus il y a des Pokémon plus dangereux ou qui aiment plus l'obscurité ou ce genre de truc. À la place, on a des pubs sur YouTube maintenant, toujours une histoire d'argent. Bah pas sur ma chaîne. Enfin si, si, j'allais dire pas sur ma chaîne, mais en fait du coup si. Parce qu'il y a quand même des pubs sur ma chaîne techniquement. Mais qui ne me rapportent rien. Donc là, on visite une grotte. J'espère que vous y voyez quelque chose. Voilà. C'est tout. Parce qu'il fait tellement sombre que on voit rien. Enfin, vous y voyez peut-être rien. Mais ouais, du coup, YouTube, pour se faire quand même de la thune, met quand même des pubs sur nos chaînes, nous, personnes non monétisées. C'est vraiment un plaisir en tout cas. Donc ils se font quand même du bif sur ton cul. Évidemment. Putain, faut faire tout le tour. Oh là! Oh, ce troll ultime! Oh non! Oh non! J'étais là, là, la sortie elle était là! N'est pas, j'ai pire. Au revoir, Coquillas! Tu vas nous céder ta place! Non. On change de Pokémon. Ah! What? Je suis où là? Attends quoi? Il y a une zone en bas, une zone en haut. Je sais pas s'il faut aller par en bas ou par en haut. Oh putain, mais là ça monte encore. Ah bah je vais pas aller par là alors, je vais aller par en haut. Mais DB! Oh les Pokémon sauvages. C'est vraiment une horreur. Les grottes, l'élément qui a rendu insociable les joueurs de Pokémon. Ah y'a. Mais arrête de mettre des échelles partout! Je sais pas où je dois aller! Et je veux tout visiter! Ah mais là je peux pas y aller. Ok, c'est bon. Oh putain! Mets au moins un panneau! Issue de secours! Oh l'électrique! Je suis où là? Alors à la base. Ouais, c'est une démo. À la base, je suis censé faire tout ça, tout ça, tout ça pour rejoindre. Ah non, bah, pas le volcan, mais. Pour rejoindre Gélic, hein, c'est ça? Ou ouais, Gélic. Là, je me suis perdu, là. Chrysapil. Quoi? C'est quoi son dialogue, lui? Ah, c'est les Pokémon qu'il y a dans le truc, non? On va taper une petite save parce que là, je crois que. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Antipara, ok, je crois que c'est. Ok, le ton est donné, là, je crois. Le problème c'est que mon équipe contre les types électriques. What? Ah mais il y a des Pokémon sauvages! Ah oui. Est-ce qu'on meurt? Si on saute dans le vide là? On peut pas. Il y a longtemps, deux dresseurs ont voulu régner sur le monde. Ils ont disparu, donc c'est bien. Mais par contre, il existe deux fondations qui poursuivent leurs idéaux. Les fondations Hob et Crépuscule. Donc là, vous avez une partie du lore du jeu. Hein? Comment je sais ça? Fais pas attention à ça. Ah il a des pop le mec! D'accord. Est-ce que c'est l'incarnation d'un Pokémon fantôme? C'est une centrale quoi. La musique est assez drôle. Mais du coup, j'ai pas vu ce qu'il y avait dans l'autre échelle en bas dans la grotte. Putain. Où se sent coucou? Statistique. Mais où est-ce que je suis? Nani, the fuck is that bordel? Elle veut se battre elle?
Bonjour mon enfant, tu veux écouter l'histoire que j'ai à te conter, évidemment. Il y a 6 ans de cela, une femme se mit en quête de remporter tous les matchs de la région d'Équibris. Non pas pour défier la ligue, non, c'était uniquement pour avoir de l'influence envers les champions d'arène. Elle capturait de nombreux Pokémon pour appuyer sa puissance et ses connaissances. Kof kof. Cependant, kof kof, évidemment, elle devint folle et se dévia de son objectif. Elle voulut régner sur le monde avec le Pokémon sur lequel elle volait à travers toute la région. Celui-ci avait un certain rapport avec les rêves. Son frère, lui, s'était rapproché d'un cocon de feu. Il avait, par le passé, remplacé le soleil et il lui avait accordé sa confiance. Lui, pour le coup, son but était de remporter le défi de la Ligue Pokémon et de devenir champion à son tour. Il parvient à son but et sombra lui aussi dans la démence. Il voulut ravager le monde de la dévastation avec une armée de... Oh désolé, je m'arrête là, j'ai trop mal. Tiens, récompense, ça va pas écouter. Je vais te donner un objet précieux pour moi. Vous avez réussi à récupérer une cendre sacrée. Influence. Elle n'a pas réussi à être influenceuse Pokémon, du coup elle s'est lancée dans des pranks. Exactement. Elle a essayé Instagram, mais ce n'est pas passé. Ou Pokémon Snapshot, là, ou je sais pas quoi, là. Ce jeu de merde, là. Une plaque Volt, comme le YouTuber. What? Ah, d'accord. Ah, putain, c'est comme de la glace, j'étais en mode, mais... Je vais jusqu'au bout là. Ah, is that the over of the end? The over of the end. Ok, donc c'est fini. Eh bien, c'était incroyable. Un lieu très intéressant du coup pour en découvrir plus sur l'histoire. Est-ce que c'est fini comme ça? Non, c'est pas fini. Salut Banito, bienvenue. Merci pour le follow. Fuite, fuyons les amis. Hop. Bonsoir. Oh là là. Je n'ai pas réussi à fuir. Mais je veux fuir quand même. Je veux pas te demander ton avis. Merci. Ok, du coup, à l'autre échelle, il y a quoi? Entrer dans la grotte. Ah, d'accord. Ok, j'ai bien fait de commencer par cette grotte, du coup. Des rencontres partout, c'est le karma. Il veut que je le capture. Ou que je lui botte le cul. Ben, on va directement l'utiliser parce que j'en ai marre. Hop. Non. Ah oui, Pokémon Karma, évidemment. Bien vu, putain. C'est moi qui suis loin à la détente. Ah écoutez, on ne peut pas blâmer quelqu'un qui essaye de faire de l'humour. Parce que si tu n'essayes pas, il n'y a pas d'humour. Où est-ce que je suis là? Ah, je suis revenu. Attends, quoi? Ah oui, si, je vois où je suis. Ça y est, j'ai compris. Fouet sable? Ah ouais, nouvelle attaque ça. L'important c'est de participer, exactement. Tu diras... Comme ça, c'est bien d'avoir dit ça, comme ça quand tu participeras au prochain giveaway, si tu gagnes pas, bah, je te dirai, ah regarde mec, t'es l'important c'est de participer. Un enfant contre un adulte. Qui est l'adulte? Après des joues coulera sur mes larmes. Petit enfant toi être. Elle est vraiment cool cette zone, j'aime beaucoup cette zone de transition là. Avec les arbres qui changent de couleur et tout. Ça va bien avec le sol marron. Oh! Incroyable, on arrive dans... Oh oui, j'aime cette zone. C'est un peu bizarre l'interaction d'ailleurs. Parce que ça fait très carré, mais... Théo, quelqu'un va tomber. Ah mais il y a Gigit aussi. Ah c'est parti, hein. Slash timeout. Bah tu peux le timeout toi, hein, Gigit. Tu mets slash timeout. Tu mets Atomori. Et tu mets 60. Regarde, c'est bon, je l'ai fait. Voilà. En effet, l'interaction est bizarre, j'avais pas trouvé le bon truc. Ah, c'est assez étrange. Mais il y a des Pokémon dedans ou pas? Ça... Y a pas l'air. Hein. Que dans les herbes là. Hein. Dans les herbes glacées là. Ouais, ça a l'air d'être ça. T'inquiète, ton perso mange la neige en attendant. Il avait un petit creux. Oh, ça manque d'un petit fond là, peut-être avec la neige, non?
en vrai. Oh! Petit Goopix d'Alola, si je ne dis pas de bêtises, mais tout. On dirait ton perso flotte au-dessus, c'est moyen fait ça. C'est une démo. Voilà, je pense que on peut toujours. Ah oui! Ah oui, par rapport à l'herbe. Ah oui, bien vu. Je pense qu'on veut. Voilà, c'est tout, tout est adaptable. Les Pokémon glace sont les plus mignons. Alors ça, c'est pas vrai. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Regarde-le, comment ça il est mignon gros? La morve elle est plus grosse que sa tête. Au moins il n'y a pas l'ombre sur les herbes. C'est vrai, bien vu. On va dire que c'est de l'herbe aplatie. Exactement, en fait il y a la tondeuse qui est passée juste avant. J'ai mis oui, je ne sais pas pourquoi. Slashou, oh no! Du coup, t'as Théo Tomo et puis il est jamais revenu. Tu l'as choqué, choqué, déçu. Patience. Ah bah du coup, je ne vais plus taper là. J'ai plus envie de taper donc. Du coup, écoute, on va faire cage éclair. Chargeur. Chargeur. Envoie la sauce, voilà, parfait. Bah envoie la sauce dans le vent. Boum. Oh là, faut changer les mots. C'est des chiennes, je pense que c'est des chiens. Parce que c'est des chines. Bof quoi. D'ailleurs, on a Mélancolux maintenant, let's go. Ah c'est mauvais Goopix, je crois, qui a été envoyé. I think so. J'attendais depuis 30 minutes qu'il se couvre le Théo. Putain, t'es un gamin. Cette insulte au chinois. Oui, il s'est planté. C'est pas la bonne insulte. Chien. Bark bark. Très sympa. Oh la petite bûche. Ah, ils sont très jolis ces arbres là. Je sais pas si c'est toi qui les as fait mais ils sont très jolis. Pum, pum. Je ne sais pas où je vais hein, by the way. Voilà, on est sur une montagne, on sait pas trop où on va. Fuyons. C'est pas moi qui les ai fait, je suis nul en tile making. Dommage. Mais ils sont très jolis. Je sais pas qui c'est qui les a fait mais. Vive les ressources sacrifiées. Exactement. Oh, un centre Pokémon. Il est congelé mais. Il doit être fonctionnel. Putain, je sais pas où je vais. Je me balade, écoutez, on visite une montagne. Pas trop l'air d'un volcan, c'est en effet. Non, c'est plus bas encore le volcan. Il a été fait sur quoi le jeu, by the way? Avec Pokémon SDK. Le starter kit, c'est SDK. Pokémon SDK. Donc sur RPG Maker. Ouais. Du coup, oui. Ah, c'est le. Oui, ok. Si c'était ça que tu me demandais, oui. Je me balade, moi. Bah, super, écoute. Super. Liste de crédit, ça devient vite énorme. Ça devient énorme très vite. Putain, mais moi, je l'ai à l'envers en plus. Attends, j'ai pris le bon chemin pour continuer dès le début. Bah, ouais, mais du coup, non. Parce que j'aurais préféré me perdre dans les montagnes. Dès qu'on trouve une zone un peu sympa, on s'arrête dans une zone un peu sympa. Toi, là, tu veux te battre? Oui, il veut se battre. Je vais mettre des screens sur Discord du jeu. Du coup. Le mieux. Alors je sais pas. Je sais pas si t'as par exemple un site pour un portfolio ou je ne sais pas. Mais le mieux ce serait que tu les mettes sur un site internet. Je sais pas si t'as ça. Idéalement. Merde, mais j'ai mis oui. Comme ça, ça évite qu'il y ait par exemple 12 000 trucs dans les channels. Parce que sinon ça remplit vite le channel Pokémon ou celui des pubs. Oh! Par ce chemin se trouve un centre Pokémon et une boutique Pokémon. Intéressant. Ah mais là, je l'ai battu. What? Je comprends rien là. Itch.io. Ah oui.
vous l'héberger de toute façon. Ouais, ce serait plus pratique, ouais. Si possible. Du coup, là, on a fait là cette zone-là, en fait. T'es allé dans le sens inverse. Non, c'est que je suis passé à droite. Ouais, je suis passé à droite, en fait. D'accord. Il me tape quoi? J'ai pas lu ce qu'il a dit. Darumaru. What? C'est quoi ce Darumaru? Bah, il a disparu. Hein. Mais Ok. Ok, ok. En fait, t'as fait un rond. Exactement. Oui, mais c'était volontaire, c'est parce que je voulais voir si j'avais raté des trucs. Et du coup, apparemment, j'avais rien raté à part quelques dresseurs, du coup. Alors non, c'est pas par là. Je pense que deux arènes avant de lancer une démo, c'est raisonnable. Bah ça dépend, parce que regarde Even, elle a mis que deux arènes, mais je peux t'assurer qu'il y a du jeu, il y a du contenu. Et pourtant, il n'y a que deux arènes. C'est une sacrée démo. What? Oh, faut se calmer avec les produits dopants. Mais attends, mais je vais rater des trucs là, non? Encore. Du coup, il y a des cracks noirs ici. Ouais, intéressant comme Pokémon. On peut peut-être envisager d'en capturer un. Je commence à parler allemand moi aussi. Une maison avec des panneaux solaires, celle-là est très intéressante aussi. Un design plutôt original, disons-nous. Il y a Osley, exactement. Ah, c'est bien, il y en a un qui a mémorisé. Enfin, une, pardon, c'est Even qui a mémorisé. Marshmallow. Hop. Merde, j'ai mis ce clic. Bah, yes. Bah, yes. Boum. Boum boum boum. Marshmallow, marshmallow, marshmallow et tout vol. En vrai, quand ils ont créé ce Pokémon, le mec a traduit en français. Il avait juste faim en fait. Il a appelé Chamallow parce qu'il avait faim, genre vraiment. Oh punaise, un Chartor. Bah. J'ai démonté son nom, mais. Brouillard. Ah ouais, mais du coup, c'est pas pratique pour moi ça. Alors attends. C'est vrai, non, je vais renvoyer Tourbol en fait. Hein. Oh là, attends, lui, c'est pas la même paire de manches. Là. Il y a des noms de la flemme, c'est clair. Ah bah là, mec, il était en train de manger des bonbons. Il a trouvé que le truc, ça ressemblait à un chamallow. Il a dit. Je vais l'appeler comme ça. Magique carpe, exactement. La carpe magique! Qui fait que trompette. Du coup, elle est pas magique. Roucoule. Ouais, le roucoule, ouais. C'est un mélange. Oh, des flammes. Regardez, des flammes. Regardez, cette zone, elle est si magnifique, YouTube, qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette zone vous aura plu. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous. Ciao tout le monde.